qui a été vraiment interpellé par le message de qui vous a envoyé vous asseoir ici et qui a inspiré une grande, très grande activiste gabonaise et qui souhaiterait vous donner l'inspiration qu'elle a eue bien, émettre l'idée de ce qu'elle a compris du message de ce flyer. Donc j'aimerais appeler Madame Mara pour s'exprimer sur l'éventualité de votre présence ici. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Madame Barra, dont le combat c'est la générale des Amazones, militante des droits de l'homme, luttant contre toute forme de violence faite aux femmes et aux enfants, dénonçant les dictatures africaines et la France-Afrique. Nous sommes un mouvement de femmes panafricanistes de tous les pays africains. Voilà. Et merci de m'avoir accordé cet honneur de m'exprimer. Je ne m'y attendais pas. Merci beaucoup. Avant de continuer mes propos, je voudrais d'abord vous féliciter pour le combat que vous menez depuis tant d'années. Vous avez montré l'amour, le respect, le vrai patriotisme dont les Gabonais ont besoin. Vous avez été persévérant. C'est vrai que même moi, je ne vous suis pas trop sur les réseaux sociaux. J'ai bel et bien entendu parler de M. Mangara, que je n'avais jamais vu auparavant. Et aujourd'hui, je vais le voir, je vais le rencontrer, je vais l'écouter. Ce ne sera plus sur les réseaux, mais de vive voix. Et en tant qu'Amazon, je vous souhaite la bienvenue à Paris, parce que ici, c'est Paris. Paris est Paris. Alors, lorsque M. Mangara m'invite, j'étais étonnée et en même temps ravie. Tout de suite, je me suis inscrite et j'ai pensé à mon devoir. C'est lequel ? C'est de faire passer le message. Nous soutenons les mouvements politiques qui se battent pour les droits du peuple. Donc je me suis dit, bon, c'est un vrai patriote. Je vais porter son message. Et surtout que les Amazones, nous sommes les Amazones du peuple. Et j'ai été séduite par leur flyer. J'ai eu le temps de le lire. C'est vrai que j'ai un petit message, mais comme il parle de donner un peu ma façon de comprendre, de voir leur message, de l'interpréter peut-être à ma façon, c'est cela, non? Oui, bien sûr. Parce qu'au départ, je ne savais pas que c'est moi qu'on allait indexer. Vous n'êtes pas indexé. Oui, qu'on allait appeler, voilà, qu'on allait nommer. Alors, c'est un très beau flyer. Et congrès des citoyens libres, moi c'est la première fois que je participe à un congrès ici à Paris. Vous savez que j'ai passé 7 ans, et je suis d'ailleurs toujours dans les rues, à dénoncer le système Bongo, la famille Bongo qui a paupérisé notre peuple depuis plus de 56 ans, avant même ma naissance. Alors, pour moi, congrès des citoyens libres m'a étonné dans son objectif. Je peux mettre l'autre côté. Alors, quand je fais mon direct pour appeler les Gabonais, les Africains, je prends le temps de lire, bien qu'étant touché parce que nous avons perdu un illustre
journaliste, Monsieur Nkoulou, j'aurais bien voulu qu'on observe une minute de silence. Parce que ce garçon journaliste, il a lutté contre le système. Il a combattu la bête. Vous me permettez? Merci, c'est aussi le temps. Alors, j'ai pris la peine de lire, parce que lorsqu'on vous envoie un flyer, il faut prendre le temps de lire, et j'ai lu. Alors, quand plusieurs parmi vous, un objectif, un seul objectif, présentation et lancement du mouvement politique d'opposition, Congrès des citoyens libres. Je découvre. Une mission. Rejeter toutes les formes de pouvoir hégémonique. Alors là, mon cœur a commencé à vibrer. Rejeter. Pour moi, les Gabonais aujourd'hui doivent rejeter le système Bongo PDG. C'est vrai qu'on a vu le fils qui a été valsé par le serviteur. Vous allez m'excuser, hein, je suis souvent cru dans mes mots. Qui a été valsé. Est-ce que on a coupé la tête de la bête? Est-ce que la queue là va se régénérer? Bonjour à ma grande sœur, notre grande collègue Rebecca. On m'a donné l'honneur aussi de venir dire quelque chose. Alors, nous avons ce devoir, cette obligation de rejeter, de refuser, de rompre. Comme dit souvent une de mes grandes sœurs, je l'appelle la top Marie-Sylvie Hervé Akenegé, rupture, c'est la rupture. Rupture, c'est la rupture. Rejeter toutes les formes de pouvoir hégémonique. Et agir collectivement pour préparer la vraie fin du système Bongo PDG. J'ai dit, aïe, à ce moment-là, c'est comme si j'étais en train de prendre du miel. J'ai dit, qu'est-ce que c'est beau. C'est sûr que ce... comment je fais dire ça? C'est sûr que M. Mungara nous réserve le meilleur. Ce qu'on recherche, ce que moi, je recherche. C'est vrai, on a eu souvent des leaders qui ont de belles paroles. Hein. Mais on a plus besoin des actes. Quand il dit agir collectivement, aïe, moi j'aurais bien voulu voir ici tous les Gabonais qui ont combattu, qui ont mené le bon combat pour la libération du Gabon ici. On aurait peut-être pu dire, oui, la salle est pleine, on ne peut plus, allons-y ailleurs. J'aurais bien voulu qu'on soit ici ensemble pour écouter le message de M. Mungara, pour participer. C'est sûr qu'il y aura, parce que je ne connais pas le programme, agir collectivement, pour moi c'est agir ensemble. Là où on veut une ère nouvelle au Gabon, nous devons changer, comme on dit souvent, de la façon de voir les choses. Nous devons nous mettre ensemble, converger vers une même direction, regarder l'objectif qui est collectif. On doit se mettre ensemble, mettant la main dans la solidarité. Pour préparer la vraie fin, alors là j'étais au ciel. Préparer la vraie fin, parce que là, vous et moi, nous savons très bien que le système Bongo PDG n'est pas encore terminé. Excusez-moi. La vraie fin. La vraie fin. Pour moi, je comprends par là exterminer le système Bongo PDG. Quand on regarde bien, moi, quand j'ai regardé, il y a le système, hein, façon de faire vivre les Gabonais. De faire réfléchir les Gabonais. La mentalité des Gabonais a changé à cause du système.
Tu veux avoir un travail, il faut être ami à tel, il faut être le fils de tel. Voilà, il faut appartenir à tel ou tel clan, le système Bongo PDG. Bongo, ceux qui sont en haut là-bas. Et quand on voit le PDG, moi quand je le vois, ce sont les autres là, les Bilibins, les Muransu, tout ça là quoi. Ils sont un clan là qui tire les ficelles. Il y a d'autres qui sont, comme je les appelle, la main noire, bien assis là. On a le Cetri qui est sorti. Ils ont trié, ils ont pris leur maître, ils l'ont mis sur le côté. Le gars, il n'y a pas de procès. Et moi, en tant que citoyenne gabonaise, ce que j'attends, puisque c'est la mise en œuvre des institutions fortes du Gabon, là. Donc moi, je voudrais que la justice gabonaise fasse son travail. J'ai soif de ça. C'est ce que j'attends. Donc pour mettre fin... Excusez-moi, j'étais du système Bongo PDG. Donc, ce système-là, on voit les amis qui protègent les maîtres, c'est-à-dire que les serviteurs qui protègent leur maître, alors que le maître, il a commis quand même beaucoup d'exactions, beaucoup de violences. On a, comment vous appelez ça, des biens mal acquis. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes au Gabon. Si on commence à citer, on ne va pas y arriver. Et ce monsieur, il est tranquille, on peut aller lui rendre visite. On fait semblant de... J'étais certain qu'il était de ce système en prison. Et d'autres sont tranquillement chez eux en train de manger du caviar, comme vous savez. Donc, il faut qu'on se mette ensemble pour mettre fin à ce système démagogique. Alors, et la refondation d'un véritable état de droit. J'ai dit, attends, j'ai vu Jésus. Excusez-moi. J'exprime ce que je ressens. Quand j'ai lu ça, refondation, c'est reconstruire, rebâtir. On prend une nouvelle façon de faire. On marche autrement qu'avant, dans la vérité. Le respect, l'amour, la pureté, l'intégrité. C'est ce qu'on a besoin pour refonder ce Gabon, qu'on va certainement appeler Gabon nouveau, où on ne va plus voir les autres là, comme je les appelle souvent, les pantalons percés, et les jupes trouées. On ne va plus marcher avec eux. Nos enfants, dès la fin de leurs études, à l'extérieur, peuvent rentrer tranquillement au pays, chercher du travail et trouver. D'accord? Alors, la refondation d'un véritable état de droit. Quand je regarde comme ça, mon vert jaune bleu, ce n'est pas un état. Ce n'est pas un état. C'est un petit clan qui gère. On est obligé de gouverner. Il y a un de mes amis qui a dit non, c'est des fantoches. Excusez-moi. C'est pas un état, puisque la loi n'est pas respectée. Le droit du citoyen est bafoué. Est-ce que c'est un état? Non, pas du tout. Donc ensemble, je suis sûre que ce congrès doit nous permettre à ceux qui vont nous écouter à travers les réseaux, le message que moi, la fille de Bambizem, je peux donner, c'est qu'on se mette ensemble pour bâtir un véritable état de droit. Et dit-on qu'il y a, comment ça s'appelle, un dialogue. J'ai pris peur, j'ai fui. Parce que le dialogue qui se font là où ils font ça, là. Ce qui sort de là-bas, c'est jamais pour le peuple gabonais. Ça n'engage que... En fait, ils viennent, ils lisent, voilà, ce qu'ils ont pu... ce qu'ils se sont dit entre eux. Mais au fond, ils ne s'asseyent pas pour le peuple. La souveraineté du peuple gabonais est bafouée. Donc,
On va continuer pour qu'on puisse tous ensemble refonder un véritable état de droit et des institutions fortes. Quand j'ai vu institution, j'ai pensé à Libongo qui est en train de manger au foumou, blanc au foula. Pendant ce temps, le lieutenant Kelly Ondo croupit en prison. Où sont nos institutions fortes? Pendant ce temps, Bidebinze me nargue. Sylvia en prison. Nouredi, Léane Goulou et autres. Ils ont créé une task force. Mais, et pourtant, nous, on leur a donné le bénéfice du doute. Bizarrement, ouais, l'audit, c'est quoi les résultats? Le bilan de tout ça, c'est quoi? Peut-être qu'ils vont le dire au dialogue, je ne sais pas trop. Alors, les institutions fortes, lorsqu'on voit celui qui a gouverné un pays, qui appartient à une même famille, qui a fait subir les Gabonais, qui a muselé les Gabonais, la Gabonaise que je suis, le Gabonais que tu es, la Gabonaise que tu es, le jeune. Ces gens-là qui nous ont muselés, qui nous ont privés de ce qui nous revenait de droit. Pas de logement, pas de transport, le chômage à gogo. Il y a tellement de choses. Ces institutions fortes n'existent pas au Gabon depuis 56 ans. Et je crois que ce congrès va certainement en parler et proposer. Moi, je ne me suis pas entendue avec eux. Je vous dis juste, je dis juste ce que moi j'ai ressenti, ce que je pense, de ce que j'ai lu, de ce qu'ils nous proposent. Voilà. Ce congrès va certainement encore, apporter un plus à ceux qui, comme nous, ont cru à un Gabon meilleur sans rester debout. Peut-être à ceux-là qui ont besoin d'être poussés. Certainement. Donc, on va continuer. Je parle beaucoup, excusez-moi. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui au Gabon, ce sont des institutions fortes. Et le CETRI, qui est cet organe directeur, aujourd'hui, nous parle de comment vous appelez ça, de dialogue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être c'est pour réorganiser nos institutions. Est-ce que cela se fera comme cela se... Est-ce que ça va se faire comme cela se doit? Déjà, ce qu'il y avait avant n'était pas respecté, tout était dans les tiroirs. Est-ce que là, présentement, avec ce gouvernement, avec ses amis, ceux qui sont là, est-ce que ça va bien se passer? On n'en sait rien. Mais mon petit doigt me dit quelque chose, qu'il faut rester vigilant. Une ambition. Permettre aux Gabonais de tous les horizons et de toutes les générations d'exprimer librement et d'exercer directement le pouvoir du peuple. Atalza. Pour le mieux-être socio-économique de tous, j'ai dit, Etche Homme. C'est ça. Qui va permettre aux Gabonais de tous les horizons, hein, et de toutes les générations d'exprimer librement et d'exercer directement le pouvoir du peuple? Qui va le permettre? C'est qui? Le CETRI? Est-ce que c'est le CETRI? Je ne... Mon petit doigt me dit que ne pas croire, c'est nous-mêmes. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Je crois que le peuple, pas je crois, le peuple gabonais, on a toujours été suiveur. On a toujours voulu suivre un leader qui, à la fin, nous lâchait. Beaucoup de Gabonais sont morts parce qu'ils ont cru à un leader. Le pouvoir appartient au peuple. Il faut que nous, Gabonais, il faut que la Gabonaise
sache que le pouvoir lui appartient. C'est à elle de dire. C'est Théo. Quand tu vas parler en Gondjé là-bas, tu vas dire quoi? Moi qui fais les enfants, est-ce que tu vas m'aider? Parce que depuis 56 ans, là, moi-même, je vais vendre au marché, à même le sol. Tu ne m'aides pas, l'État ne m'aide pas. Est-ce que vous allez vous asseoir là-bas pour mon bien-être à tous les niveaux? Est-ce que je peux aller désormais à l'hôpital général, aller à l'hôpital général, me soigner gratuitement? Santé pour tous. Le pouvoir appartient au peuple gabonais. Pour mieux être, pour le mieux être socio-économique de tous. Donc je crois que c'est l'ambition de M. Mangala. Et le slogan, c'est quoi? C'est des institutions fortes pour un Gabon fort. J'ai dit waouh! Parce que c'est là la clé. Oui, bien sûr. Quand j'ai regardé, j'ai dit, ça, c'est la clé. Des institutions fortes. C'est pour cela que nous nous battons. Pour que, quand je vais porter plainte, qu'on me fasse justice. Mais au Gabon, c'est le plus faible qui est broyé par le plus fort. Le violeur, c'est lui qu'on donne raison. Moi-même, je l'ai vécu. Excusez-moi, parce que là, on parle des institutions fortes. J'ai goûté à ça, et j'ai compris. Donc, quand moi je dénonce, je sais de quoi je parle. Et beaucoup qui ont vécu la même chose que moi savent de quoi je parle, puisqu'ils vivent, ils vivent cela dans leur chair. Je dis bien, dans leur chair. Nos institutions ne sont pas fortes. Imaginez-vous. Dans mon cas, c'est mon ex qui commet des impairs. Il a tort face à la loi. On arrive chez le premier juge qui lit le droit. Comme cela se doit, me donne raison. Et par la suite, on m'a montré que ici, ce sont les bongos. Surtout quand tu appartiens à cette famille-là, ils t'écrasent facilement. On m'a dépouillé de tout. Et pourtant, j'avais raison. Ils m'ont montré ça. Ils m'ont fait ça dur. Heureusement qu'il y a un Dieu. Moi, je crois. Juste pour dire qu'au Gabon, c'est comme cela. Il n'y a pas des institutions fortes. Donc, le slogan, un slogan, des institutions fortes pour un Gabon fort. Est-ce que le Gabon est fort aujourd'hui? Non. La misère, le mensonge. Nos filles se vendent à 500 francs. Il n'y a plus de dignité. On arrache les maris des autres parce que simplement, on a même plus de conscience. L'éducation que nous avons reçue de nos parents, de respecter l'autre, de respecter l'engagement d'un couple. On n'arrive même plus à respecter ça. Ils nous ont réduits à zéro. Un Gabon faible pendant 56 ans. Et nous voulons un Gabon fort. C'est ce que moi j'ai compris. Voilà. Et une devise, patrie, dignité, progrès. La patrie, pour moi, c'est le Gabon. Et j'aime mon Gabon. Le Gabon, ce n'est pas seulement la terre, mais ce sont les Gabonais. Exact. Ma patrie, c'est pour cela que je suis restée debout. C'est pour cela que le Trocadéro, Colette Rebuka et bien d'autres sont restés debout. Et nous l'avons fait pendant 7 ans. Et aujourd'hui, je peux me permettre, partout où je passe, au milieu d'autres Africains, je vous dis, hein, je suis fière d'avoir mené ce combat. Peu importe le temps, la pluie. Qui est le soleil? Qui est le vent? La neige pour mon peuple. Et ça, c'est le vrai patriotisme. Encore bravo à vous. Merci à vous. Merci. Alors, la dignité, il faut qu'on la restaure.
Je pense que j'ai déjà tout dit. Quand une femme peut autoriser à sa fille, elle vient citer à sa fille de se lever et d'aller sortir avec elle. Est-ce que tu ne vois pas ce que Natacha a fait? Toi, tu attends quoi? Mais attends, toi-même, tu attends quoi? À travailler. Pendant que d'autres vont vendre au marché, à même le sol pour nourrir leurs enfants, il y a d'autres qui envoient leurs petites filles se vendre. Pourquoi? Parce que les pantalons percés, là, ont réduit la population gabonaise à la pauvreté. Tout pour eux, hein, et rien pour nous. On est en train de gratter. Tu finis de faire des études. Moi, j'ai des parents, j'ai des oncles et des tontons qui ont des grands diplômes et qui n'ont jamais travaillé. Jamais. Ils étaient ici en formation en France, ils repartent au Gabon, bon maudit. C'est pas ici. Voilà. Alors, le progrès. Nous aussi, on doit progresser. Regardez le Gabon, les routes du Gabon, les trous. Regardez les logements. Tout ce que vous savez, nous aussi, on doit progresser. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà ce que moi, j'ai compris. Et j'étais contente et je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir accordé ce temps de parole pour que je puisse m'exprimer. Merci beaucoup, tout en espérant que le peuple gabonais va aller de l'avant, va arracher notre souveraineté. Mon grand frère Mouketou, sois salué. Merci. Donc, après cette rhétorique puissante et tellement vraie, bien. Monsieur Mengare est arrivé, mais avant son intervention, on va faire intervenir deux autres personnes. Madame Rebuka, que je pense que vous connaissez très bien, depuis un très long moment. On a besoin de ce genre de femme, justement, comme Madame Bara, pour annoncer la conscience gabonaise. Parce que ça vient des femmes aussi, ça vient surtout des femmes. À tous. Mais je parlais après le général des Amazones. Je crois que j'ai plus grand chose à dire.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'on est content de vous recevoir à Terre Française, docteur, et ça a toujours été un plaisir de voir M. Mengara. S'il y a un leader politique dont j'ai beaucoup de respect, c'est bien ce monsieur. Au Gabon, on ne trouve plus ce genre de personnage. Les gens sont mouillés dans l'argent, dans la stupidité, dans la médiocrité. Donc, les quelques personnes qui nous restent, on essaie de les protéger et on continue à les respecter. Qu'il y ait des divergences d'opinion ou pas, l'essentiel, je crois, aujourd'hui, au Gabon, c'est de retrouver les enfants, mais les vrais enfants du Gabon, qui aiment la patrie. Pendant 56 ans, nous avons été embourbés, nous avons été enterrés, on a été tués, ressuscités, on est toujours à l'agonie. On est toujours à l'agonie. Donc je crois que les Gabonais aujourd'hui sont tous conscients de ce qu'il nous reste à faire. C'est combattre. On doit continuer à combattre. Arrêter le combat, ce serait enterrer la terre de nos ancêtres. Arrêter le combat, ce serait une lâcheté. Et j'ai bien peur, ce que je dis souvent, dans mes interventions, je me dis que je n'ai pas envie un jour de laisser à mes enfants une terre qui ne leur appartient pas. Et pire, mes enfants venir un jour, ma descendance venir me cracher dans ma tombe parce qu'elle se dira, mais en fait, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous nous avez laissé? Dans ce bas monde, je crois que la terre patrie, c'est le meilleur héritage. Les gens peuvent construire des maisons, les gens peuvent porter les grands bijoux. On voit bien, c'est l'amour moderne. Il faut absolument qu'on ait des comptes, des plans de paradis fiscaux. Il faut qu'on ait des villas à ne plus en finir. Il faut. On oublie l'essentiel. C'est pour cela que merci beaucoup de m'avoir donné ces quelques temps de parole. Je ne resterai pas longtemps, parce que je crois que la route est longue. Mais pour moi, franchement, j'ai dit que les Gabonais aiment mon nom. Il y a 9 provinces qui sont en souffrance. Il n'y a pas que cette province et la Mélotine, même celle du Haut-Togoué, où ces gens-là règnent à maître. Ils sont aussi lotis que nous. La seule chose que nous devons faire aujourd'hui, nous les Gabonais, c'est de nous aimer. Cette affaire de dire, moi je suis de là-bas, je m'appelle. Non. Nous sommes les enfants du même Gabon, nous sommes un petit peuple. Et après tout ce que nous avons subi pendant des décennies, 56 ans, ce n'est pas 50, c'est pas 58 mois, ce n'est pas 56 semaines. C'est beaucoup. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui j'ai 67 ans, les Bourbons prennent le pouvoir, j'avais à peine 9 ans. Aujourd'hui j'ai 67 ans. Mère de 6 gosses, 9 petits-enfants, c'est toute une vie. Il y a des gens qui sont nés, il y a des Gabonais qui sont nés et qui n'ont même pas eu le plaisir de voir un jour la lumière dans notre Gabon. Il y a des gens qui se sont battus, qui ont donné de leur vie, qui ont passé leur temps à se battre et qui finalement sont repartis, mais sans voir la lumière. Donc pour ces gens-là qui ont laissé leur vie, qui ont donné leur vie, des personnes qui sont retrouvées parfois sans salaire, parce qu'au Gabon, quand on n'est pas avec le pouvoir de PDG, ben on n'a pas de boulot. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure, la générale. Mais tout est calculé, tout est pesé. En fait, il y a des Gabonais en fait, qui sont là, et je crois que ça va rajouter des Gabonais qui accompagnent le pouvoir de PDG. Oui, le pouvoir de PDG est toujours là. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on pourra dire « Ah oui, la CETRE est venue nous débarrasser de tout ça. » Non. C'est la continuité, donc n'importe comment. Restons vigilants. Parlons-nous les uns et les autres. Mmh. Arrêtons cette façon de nous regarder en chair de faïence en croyant que c'est l'autre qui est bien et l'autre, celui-là n'est pas bon. Mmh. Pour sortir le Gabon du chaos, nous avons besoin de toutes nos forces réunies. Parce que si on ne le fait pas maintenant, demain, nous serons la risée de nos... Parce que là, ce ne serait pas les Gabonais, ce sera la descendance. Ces gens-là, ces enfants qui n'ont plus ont déjà vu le jour et d'autres qui viendront après, vont venir sur nos tombes et dire « Mais qu'est-ce que vous nous avez fait ?» Et pour ça, nous sommes tous unis. Merci beaucoup. J'ai pu vous présenter un autre intellectuel de renom, un grand écrivain. Donc M. Mouketou va intervenir et puis on aura l'occasion, même l'honneur, de l'entendre dans ces thématiques. Ah, merci. Alors, je préférais rédiger ce discours pour être plus précis et concis.
Alors, chers amis, chers compatriotes, vous avez un micro, comme vous voulez. Vous m'entendez ? Non. Chers amis, chers compatriotes, je suis. C'est pas allumé. Parlons. Merci. C'est ouvert. Chers amis, je disais, chers compatriotes, je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui devant vous, réunis pour un objectif commun, la refondation de notre cher pays. Et notre cher pays s'appelle le Gabon. Tout d'abord, permettez-moi de saluer l'initiative courageuse du mouvement Bongo doit partir, BDP, qui se transforme désormais en congrès des citoyens libres. Ce changement de nom n'est pas seulement symbolique, mais il incarne notre détermination à construire un avenir meilleur pour notre nation. Avant de poursuivre, je tiens à rendre un vivant hommage au professeur Daniel Minkara, ici présent, en tant que président du mouvement Bongo doit partir. Comme vous le savez, il a joué et continue de jouer un rôle important dans le paysage politique de notre pays pendant plus de deux décennies. Son engagement inébranlable et sa constance, je ne cesse de le dire dans mes interventions, dans la lutte pour la justice, la démocratie et les droits du peuple gabonais, ont été une source d'inspiration pour de nombreux citoyens gabonais. Le professeur Daniel Minkara mérite notre admiration pour son dévouement à la cause du peuple gabonais. Professeur Daniel Minkara, en tant que président du mouvement Bongo doit partir, a joué, comme je le disais, le rôle capital dans le paysage politique de notre pays. Il a également démontré une détermination sans faille face aux obstacles et aux défis. Malgré les pressions, les menaces et les difficultés, il a continué de se battre pour notre pays, le Gabon. Et quand il se bat, c'est pour un Gabon meilleur, où les droits fondamentaux sont respectés et où la voix du peuple est entendue. Le professeur Daniel Minkara a été un fervent soutien, comme vous le savez, de la transition politique en cours depuis le 30 août 2023, lorsque nos forces de sécurité et de défense ont pris le pouvoir ou bien ont pris le contrôle du Gabon. Cependant, aujourd'hui, il exprime des critiques à l'égard des militaires au pouvoir, tout comme de nombreux Gabonais, estimant que la transition politique et institutionnelle en cours au Gabon manque de clarté et semble dériver. En tant qu'opposant de longue date,
Le professeur Daniel Mingara souligne les défis et les incertitudes auxquelles le pays est confronté pendant cette période de changement. Son point de vue est nécessaire pour éclairer le débat sur l'avenir de notre pays et la nécessité d'une transition politique stable et transparente. En plus de son engagement passé, le professeur Daniel Mingara continue, comme vous le savez, de mener la lutte pour la démocratie et la justice dans notre pays. Depuis son exil aux États-Unis, il reste fervent défenseur de l'alternance politique dans notre pays, pour ne pas dire à Libreville. Dans ses discours et ses écrits, il appelle le peuple gabonais à opter, je cite, pour une insurrection populaire afin de parvenir à un changement de régime. Sa persévérance et son dévouement méritent toute notre admiration et notre gratitude. Car, il faut le dire, le professeur Daniel Mingara incarne l'esprit de résistance. Je reprends. Le professeur Daniel Mingara incarne l'esprit de résistance. Nous sommes aujourd'hui dans cet hôtel parce que les Français ont organisé la résistance face aux barbares venus tout au droit du monde des ténèbres qu'on appelait les nazis. C'est pourquoi nous sommes assis ici. Il incarne donc cet esprit de résistance. Aujourd'hui, chers amis, chers compatriotes, alors que nous nous rassemblons pour lancer officiellement le congrès des citoyens libres, nous devons garder à l'esprit les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que nation. De nombreux compatriotes de la diaspora, de notre diaspora, surtout l'Europe et de l'Amérique du Nord, se posent légitimement des questions sur la pertinence de participer au dialogue national inclusif prévu, semble-t-il, en avril 2024. Ils remettent, il faut le dire, en question la souveraineté de ce dialogue et expriment des préoccupations légitimes quant à la façon dont il pourrait être manipulé pour servir les intérêts de certains esprits tordus qui sont au Gabon et dans notre diaspora. Cependant, malgré ces réserves, c'est mon point de vue que je voulais exprimer ici, j'exhorte toute la diaspora à considérer l'importance de participer activement à ce processus. Je parle bien de ce processus. Le dialogue national inclusif offre ou pourrait nous offrir une opportunité précieuse de faire entendre notre voix, de contribuer à façonner l'avenir de notre pays et de garantir que les aspirations et les préoccupations de toutes les Gabonaises et tous les Gabonais, où qu'ils se trouvent, où qu'elles se trouvent, soient prises en compte. En abordant de manière constructive les questions de souveraineté et d'inclusivité du dialogue, nous pouvons contribuer à garantir que ce processus soit véritablement représentatif et démocratique.
nous devons insister sur la transparence. Tout à l'heure, j'ai intervenu sur une chaîne de télévision en tant qu'animateur de l'émission qui va passer à 19h. L'émission a été enregistrée avec le doyen dignitaire Malekou. Je lui posais la question suivante. Il est quand même curieux, professeur Daniel Mingara, cher compatriote, qu'on nous parle du dialogue national inclusif. Nous sommes à moins de 3 semaines de ce dialogue. Là, nous avons par exemple 2 compatriotes qui ont une vie privée et professionnelle. Et il en est de même pour beaucoup d'entre nous. Il semblerait que, en Amérique du Nord, on nous parle de 5 représentants. Et en Europe, on n'est pas dit l'Eurasie, 12 représentants. Et 5 représentants en Afrique. Dans quel pays disserait qu'à 3 semaines d'un dialogue aussi important, on ne sait pas qui va représenter la diaspora gabonaise? Je ne sais pas si là où vous êtes, avez-vous reçu un document nous disant que voilà les thématiques, par exemple, sur lesquelles nous allons aborder au cours de ce dialogue. Est-ce qu'on nous a dit comment nous allons nous déplacer? Dans quelles conditions de sécurité? Rien n'est fait. Semble-t-il que le dialogue va commencer le 2 décembre. Le 2 avril. Ah! Il descend peut-être. Faisons attention. Parce qu'on ne sait pas où va le Gabon. Alors, je vais terminer mon propos, puisque j'ai 10 minutes, il me reste 3 minutes, en examinant donc de près le contexte et les objectifs du dialogue inclusif, nous comprenons l'importance de ce dialogue, de restaurer les institutions démocratiques au Gabon, les périodes d'instabilité politique et de tensions ont mis en évidence la nécessité de renforcer nos institutions. De même, je voulais proposer à notre futur parti, en tant que géographe, parce qu'il faut toujours une originalité dans nos interventions. On nous parle de la réécriture de la Constitution, il me semble, au cours de ce dialogue. C'est une étape décisive pour redéfinir donc les fondements, de notre système politique. Je voulais proposer donc ceci à notre futur parti, qu'il intègre des concepts novateurs, tels que, je vous propose cela en tant que géographe, la territorialisation participative. Ça veut dire quoi? Nous pouvons ici transformer notre système politique en un modèle plus inclusif et participatif qui reflète véritablement les besoins et les aspirations de toutes les Gabonaises et tous les Gabonais. C'est un concept que je vous propose. Il faudrait qu'il soit intégré dans la Constitution. Mais pour que tout cela se concrétise, la participation active de la diaspora gabonaise est indispensable. Nous devons saisir cette opportunité pour contribuer à façonner un avenir meilleur et plus juste pour notre pays, en insistant sur l'inclusivité, la transparence, le respect des principes démocratiques fondamentaux. Nous pouvons garantir que nos voix soient entendues et que nos contributions soient prises en compte dans les décisions qui façonnent l'avenir de notre pays. En conclusion, mes chers compatriotes, professeur Daniel Mingara, je vous encourage tous à saisir cette opportunité et à participer activement à ce que le professeur Daniel Mingara est en train de dire. S'il y a dialogue, il faudrait qu'on participe activement. Vous savez, je vais vous dire une chose, on a peur de la diaspora. On a peur de la diaspora. Parce que dans la diaspora,
voyez, dans cette salle, il y a des grands esprits. Il y a des gens, un grand esprit qui est là. Le docteur Daniel Mingara. Et quand on parle des grands esprits, ce sont des esprits propres. Parce qu'il y a des esprits sales. Et au Gabon, ce n'est pas une injure que je suis en train de faire à notre population, mais je m'adresse à la classe politique gabonaise. Elle est tout sale. Elle est sale. Elle est sale spirituellement. Elle est sale dans tous les domaines. Et c'est dans la diaspora qu'il y a des esprits propres. Vous savez, je vous dis, hein, s'il y a démocratie au Gabon, le futur président du Gabon sortira de la diaspora gabonaise. Si nous nous battons pour que la démocratie s'enracine, voit le jour dans notre pays, le futur président du Gabon sortira de la diaspora gabonaise. Il se pourrait que ce président se trouve dans cette salle. Et nous avons beaucoup d'esprits comme ça dans la diaspora. Donc, chers compatriotes, je termine en disant ceci. J'étais en train de lire. Merci, notre sœur Amazon. Elle nous a si bien présenté notre slogan et la devise. J'ai prévu une explication plus détaillée, mais je vais le faire en publiant un texte. Je vais le faire sur les réseaux sociaux. Nous, donc, ensemble, avec le professeur Daniel Mingara, à notre tête, je dis bien à notre tête, nous sommes convaincus que nous allons surmonter les obstacles et nous allons construire notre pays, le Gabon, un pays plus juste, un pays plus démocratique et un pays prospère pour les générations futures. Je vous remercie. Pour cet honneur. Merci, Aaron. Ben pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je suis plus connue sur le nom d'Alice Vincent, épouse Adibé. Effectivement, ça fait déjà depuis une quinzaine d'années que je suis membre du mouvement Bongo doit partir, que je participe en tout cas activement aux activités du mouvement. Depuis 2009. J'ai eu l'occasion d'aller en 2009 au Gabon pendant le processus électoral. 2009, j'avais 20 ans. En 2009. J'étais maman d'une petite fille qui avait à peine 6 mois. Et je me souviens en 2009 que la diaspora s'était organisée pour pouvoir aller à Libreville. C'était Air Diaspora. Un avion devait partir avec, en tout cas, beaucoup de personnes qu'on connaît,
dont il n'est pas nécessaire de citer des noms. Et l'idée, c'était d'être sur place au Gabon avec le docteur Mengara et d'essayer d'influencer les choses, de bousculer les choses au Gabon. Le docteur, vous êtes parti, vous étiez à Libreville et personne ne vous a suivi sauf moi. Je me suis levée un matin, j'ai payé mon billet d'avion. Ma mère qui est là savait que je partais au Gabon quand j'étais assise dans le vol. D'ailleurs, elle a menacé de ne pas faire décoller l'avion ce jour-là. Je lui ai juste conseillé de me laisser partir et je suis partie en laissant tout derrière moi, mon travail, ma fille, sans savoir si on reviendrait ou pas. On ne savait pas ce qui se passait sur ce processus. Ça a été l'une de mes plus grandes expériences marquantes de mon engagement. Parce que avant 2009, le Gabon, je ne le connais pas nécessairement plus que ça. J'ai fait mes études ici en France. Et c'est un engagement qui est constant, malgré les attaques, malgré tout ce qui s'est passé ces dernières années. C'est sans faille parce que ce n'est pas un homme qu'on suit, contrairement à la politique traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est une idéologie. Et aujourd'hui, on suit tous l'idéologie de grands leaders que je ne citerai pas, Martin Luther King, Thomas Sankara, ou toutes ces grandes figures, en tout cas, qui ont changé le monde sans pouvoir le voir de leurs propres yeux. Pourtant, aujourd'hui, ils ont semé des graines et qui ont permis encore à des générations aujourd'hui de continuer le combat. Et ça, en fait, c'est le début de mon engagement. 2009, à Libreville, cité de la démocratie. Cette histoire, je vais vous la raconter. Personne ne la connaît, très peu. C'est un pan de l'histoire gabonaise que très peu de personnes connaissent parce que la politique, il y a ce qu'on vous montre et là, ce que vous voyez tous les jours. Il y a ce que les politiques vous voient et viennent vous dire. Mais en réalité, moi, ce que j'ai compris il y a très longtemps, du haut de mes 20 ans, c'est que la politique, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est les tractations qui se passent derrière. C'est les négociations de la dernière minute. C'est les contre-ordres qui viennent de très haut. Et c'est des choses, quand vous êtes sur le terrain, quand on est sur le terrain, c'est des basculements en secondes qui se passent et qui scellent l'avenir de tout un pays et de toute une génération. Et je vous dis ça parce que 2009, je fais partie de ces rares personnes avec le docteur Mengara à 2-3 heures du matin à nous retrouver à l'ambassade du Cameroun. Feu André Mbaouba avait été exfiltré après les événements de la Cité de la Démocratie, si vous vous en souvenez. Et donc l'ambassade du Cameroun lui ouvre les portes. Dans la nuit, on y est, dans cette ambassade, et ça a été une nuit de tractation. J'ai entendu, j'ai vu ce qui a scellé le Gabon à tout jamais, et une seule phrase que ce jour-là ait dit, parce qu'effectivement, il faut prendre une décision à ce moment-là. Cette nuit-là, il faut décider ce qu'on fait. Est-ce qu'on donne le mot d'ordre? Qu'est-ce qu'on dit à tous ces Gabonais qui sont dans la rue et qui n'attendent que de savoir ce qu'on fait demain à 6 heures? Et ça rappelle juste une chose, c'est la lourde responsabilité d'un leader politique dans un pays en Afrique en 2024. Ce n'est pas l'élection en France d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen ou bien aux États-Unis Donald Trump. Non, on n'est pas dans cette configuration-là du tout dans nos pays africains. On n'est pas sur des démocraties ouvertes. On est sur des prises de décisions qui sont très graves. Parce qu'il n'y a absolument aucune institution qui vient vous sauver à la fin. Pas les nôtres, et encore moins celles qui sont à l'international. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des tractations, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas sur le moment, et qui sont plus fortes que ce qui peut se décider. Et ce jour-là, en 2009, moi j'ai entendu un homme politique de la carrure de Feu André Baobab dire à 3 heures du matin qu'il ne prendra pas la responsabilité de ce qui se passera demain matin. Et il a frotté ses mains devant nous.
Et donc, il a dit qu'il ne fera rien. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y aurait plus rien qui se passait. Il s'est passé tout ce qui s'est passé. La suite de l'histoire, vous la connaissez tous. Chacun l'a vécu. Certainement en étant aussi à Libreville ou bien à l'ambassade, aux ambassades étrangères à l'étranger. Mais moi, du haut de mes 20 ans, ça a scellé mon engagement. Et j'ai été convaincue à ce moment-là que quand on est leader politique et qu'on veut porter des idées et qu'on veut porter le changement, en réalité, c'est cette fraction de seconde de décision qui est importante. Et la question que je me suis souvent posée, c'est est-ce que les leaders politiques qui ont de cesse de se présenter, de représenter la voix du peuple, vos voix, nos voix, ont mesuré à un moment donné qu'ils arriveraient à ce pied du mur et qu'ils devraient prendre cette responsabilité et cette décision d'aller ou pas. Et en fait, la réponse, on la connaît tous aujourd'hui. Ils ont tous refusé de franchir ce pas. Oui, c'est une lourde responsabilité. Mais aujourd'hui, tous nos frères et sœurs qui sont morts, toutes nos mamans, je suis mère de famille. Perdre un enfant, c'est une perte inestimable. Elle est irréparable juridiquement. On donne de l'argent, mais c'est irréparable. Et chez nous, on ne dédommage pas. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui sont mortes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Le Gabon, c'est 2 millions d'habitants. On remercie le CTRI de la mission qu'ils ont accomplie. Moi, je pars du principe que quand on est militaire, on est sur un devoir patriotique, on a prêté serment. C'est des militaires, c'est pas des civils. Et donc, ils ont fait ce qu'on dit leur job de militaire, ce qui était demandé, ce que le peuple ne pouvait pas faire. Parce que le peuple n'est pas un gilet pare-balles sur lequel on tire à profusion comme on veut. Donc ils avaient les moyens et la force que le peuple n'a pas, puisque le peuple est désarmé. Et les différents processus électoraux ont bien montré la défiance que nos jeunes ont, qu'on a, à aller au front, à aller au devant. On a vu ce que ça a donné à plusieurs reprises. Et oui, ils ont fait ce qui était nécessaire, leur job de militaire. Parce que quand on est militaire, c'est un engagement patriotique, on prête serment à la nation. Et donc, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, mais aujourd'hui, le goût s'est terminé. Les costards cravates, les représentations à l'international, c'est pas ça en fait que le Gabon attend. Les compromissions donc de la suite de ce congrès qui seront présentés par le docteur Mengara, c'est pas ça le Gabon et c'est pas ce qu'on veut. On veut pas un pays militarisé, on veut pas un pays géré par des militaires, pour des militaires, et encore par une famille qui continue encore à tirer les ficelles. Une puissance internationale, connue, de renom, derrière, qui a encore sa base entre nos murs, si silencieuse, mais pourtant si attentive à ce qui s'est passé chez nous l'année dernière. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des décisions qui sont lourdes à prendre. Ce qui est certain, c'est que l'engagement politique va au-delà d'une personne, c'est une idéologie, et moi je vais même plus loin, c'est ce qui nous définit comme l'ADN. Voilà. Moi, c'est ce qui résume ma constance depuis ces 14 ans. C'est la constance de la seule et même idée, les Bongos doivent partir, et ils ne sont pas encore partis totalement. Voilà. Je vous remercie. C'est ça. Mengara, je vous annonce Monsieur Omva. Je sais que tout le monde est suspendu au l'air du docteur Daniel Mengara, mais souffrez un peu de m'écouter parce que lui et moi, on a fait une analyse. On a pris un échantillon d'un jeune Gabonais et j'ai rédigé un peu le parcours de ce jeune Gabonais. Donc, permettez-moi de vous entretenir pendant quelques minutes sur l'histoire très inspirante d'un jeune Gabonais qui est aujourd'hui un exemple de citoyen libre. Il s'agit d'un jeune Gabonais de 12 ans qui est admis au concours d'entrée en 6e et qui doit quitter ses parents
du village pour se rendre à la ville. Et la ville, c'était Bitam, où ses parents ne le verront qu'une ou deux fois par an. On a la liste. Avec 3 ans, après l'obtention de son bac, il est inscrit en licence d'anglais à l'université Omar Bongo. Cet étudiant a vécu une histoire qui a failli lui coûter la vie, mais une histoire qui a aussi provoqué par ricochet des grands changements politiques dans son pays, le Gabon. Cet étudiant a failli crever des suites d'une intoxication alimentaire qui avait frappé bon nombre d'étudiants gabonais pendant la période des vacances de Noël et du Nouvel An. Le restaurant universitaire où se nourrissaient les étudiants ne répond pas apparemment aux normes de salubrité requises. De nombreux étudiants avaient en effet été transportés vers les différents hôpitaux de Libreville, où certains se retrouvaient à partager le sol froid et dénudé des salles d'urgence où ils attendaient à tout drôle qu'un lit se libère. Tous souffraient d'une diarrhée coulante comme de l'eau, accompagnée de nausées, vomissements, mal de ventre, frissons et suivi d'une déshydratation rapide. De retour au campus, après une hospitalisation de plusieurs jours, des pensées confuses circulaient dans sa tête, au point de penser qu'il a failli mourir empoisonné par son État, son pays, son gouvernement, ses dirigeants. Après plusieurs jours, il remarqua que personne n'en parlait, même pas la mutuelle universitaire, alors que de nombreux étudiants venaient d'effleurer la mort. Son énervement le poussa à s'installer dans sa chambre au campus, muni d'un marqueur noir, du papier blanc, et se met à écrire des tracts qu'il colle discrètement dans les endroits stratégiques de l'université. Lu par plus de la moitié des étudiants, ces tracts avaient causé une grève des étudiants de l'université au Maroc. Une grève qui a vu des violents affrontements entre les étudiants et les forces de sécurité, causant plusieurs dégâts au sein du campus universitaire. Une grève qui a causé des blessés graves au sein des étudiants. Et par la même occasion, cette même époque, il y avait une grogne du débat sur la démocratie qui marquait la rentrée d'exil en 1989 du père Paul Mbarousole du Montréal. Malgré les pourparlers en cours, le dictateur de l'époque, Omar Bongo, déclarait à Bitam qu'il n'y aurait aucun multipartisme au Gabon tant qu'il serait vivant. Et que si on l'y forçait, l'on aurait du mal par la suite à retrouver le Gabon dans la carte d'Afrique. Le Gabon était sous tension politique en cette période de mi-janvier 1990. À cela s'ajoutait la crise économique dont la misère paralysait le pays, causant le chômage, le blocage des salaires, l'inflation. La grève des étudiants, qu'on peut appeler ici grève des diarrhées, grève des intoxiqués ou encore la grève des empoisonnés, était donc la goutte d'eau additionnelle qui venait déborder ce vase.
Cette grève avait causé des tensions insoutenables qui ont poussé le régime Bongo PDG au seuil de la chute. Omar Bongo, affaibli, accepte alors le principe du multipartisme, puis celui de la conférence nationale. Le jeune homme de 23 ans qui avait rendu tout cela possible en déclenchant la grève des étudiants de l'université Omar Bongo de mi-janvier 1990, c'est celui-là qui nous montre que sans insurrection, sans devoir de violence, les peuples ne peuvent rien obtenir de leur dictateur. C'est ce même jeune homme qui, plus tard, depuis son exil américain, lancera le mouvement « Bongo doit partir » en décembre 1998. Non sans avoir postulé que rien de bon ne se passera au Gabon tant qu'un Bongo serait au pouvoir. C'est aussi celui-là même qui nous invite ce soir pour vous présenter l'héritier du BDP. Ce soir, le BDP transmet officiellement son héritage au mouvement Congrès des citoyens libres, CCL, en abrégé Congrès citoyen. Ce jeune homme de 23 ans s'appelle Daniel Ouangara, aujourd'hui professeur des universités aux États-Unis. Maintenant, nous avons l'honneur et l'attention que ça a pris du temps, mais c'est assez normal vu la teneur de cette cervelle. Donc, merci de votre patience. Maintenant, c'est au tour de M. Mengara de vous exposer et de vous raconter ce qu'il en est. Ma voix porte généralement assez fort, donc je n'aurai pas besoin du micro. Hein, vous m'entendez très bien, n'est-ce pas? Ok. Alors, évidemment, je vais commencer par quand même, hein, à vous tous, vous faire cette confidence. Vu qu'on distribue maintenant des kobos au Gabon, et qu'on m'aurait dit que vous n'aviez pas encore fait l'hymne national, si je me trompe, on va peut-être se lever, hein, et quand même faire honneur à notre pays, n'est-ce pas? Sans l'obligation, hein, qui nous est faite depuis le Gabon, mais parce que nous sommes avant tout patriotes. Alors, donc si vous voulez bien, on se lève et puis on fait notre hymne national. Alors, on y va? Unis dans la concorde et la fraternité et belle toi Gabon, une aurore se lève, encourage la peur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime manque, où chassons à jamais l'injustice et la honte, il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qui prônent la vertu, et repousse les âmes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage la peur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité.
Merci beaucoup. Et je vais commencer évidemment aussi par une procédure de minute de silence pour nos martyrs. Il y en a beaucoup. Et je vais faire un exercice à l'américaine, n'est-ce pas? Les Noirs américains, quand ils célèbrent leurs martyrs, ils disent à la foule, dites leur nom. Donc chacun d'entre vous qui a un martyr en tête, n'est-ce pas? Dites son nom. Ok? Alors, on va commencer. Moi, je dis Mboulebeka, parce que c'est l'un de nos jeunes. Disons son nom. Allez-y. Mboulebeka. Et les autres? Vous pouvez citer à n'importe quel nom. Martin Labou. Dites son nom. Ndouna Bekono. Ndouna Bekono. Dites son nom. Germain Ba. Germain Ba. Dites son nom. Allez-y, vos martyrs. Voilà, Hervé Mombo qui l'a. Dites son nom. Allez-y. André Bambam. Dites son nom. Allez-y. Alain Dixon. Alain Dixon, évidemment. Dites son nom. Continuez. Fantomas. Fantomas. Voilà, dites son nom. Le capitaine Mbanji. Voilà, dites son nom. Allez-y. Pierre Mangoudou. Pierre Mangoudou, dites son nom, s'il vous plaît. Dites son nom. Dites leur nom. Allez-y. Lucas. Pierre Mangoudou. Absolument. Dites leur nom. Et ça, c'est important parce que nous partons d'une période de notre pays où nous aurons besoin de nous souvenir de ces noms-là. Il y aura des rues au Gabon qu'il faudra débaptiser pour les rebaptiser au nom de ces martyrs. L'université qu'on appelle aujourd'hui Omar Bongo a besoin d'être débaptisée pour transmettre une autre forme d'héritage aux générations futures. Grégory Nguamintsa. Grégory Nguamintsa, par exemple, mériterait que ce nom-là figure sur, on va dire, le front de cette université-là. Alors donc, pour être sûr que nous couvrons aujourd'hui tous les paramètres qui relèvent de la lutte politique. Parce qu'en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes encore en pleine lutte politique. La question du Gabon, telle qu'on la voit aujourd'hui, est que nous n'avons pas encore parachevé l'œuvre de renaissance nationale de notre pays. Nous avons encore besoin de la pensée. Parce qu'en réalité, quand vous regardez l'histoire du Gabon, la renaissance de notre pays n'a pas encore été pensée. Je le dis, la kermesse de 1990 était intéressante, mais elle ne nous a pas véritablement permis d'aller au fond des choses, de repenser notre pays. Et voilà pourquoi je voulais d'abord commencer par ces noms-là, mais aussi vous parler un peu de ce que nous sommes venus faire ici en France aujourd'hui. La question du BDP, elle est intéressante, et Madame Vincent vous en a parlé tout à l'heure, Madame Adivé, pardon, vous en a parlé tout à l'heure. Elle est intéressante parce qu'il y a une sorte d'historique derrière. Et cet historique, aujourd'hui, est en train de faire comme M. Ombalani, d'être transmis, j'ai envie de dire, à d'autres générations. J'ai aujourd'hui 56 ans. Je suis déjà vieux. N'est-ce pas? Mais la pensée ne peut pas se mourir. La pensée doit continuer. Parce que c'est une pensée originale. Elle n'est pas faite pour tout le monde, parce qu'elle suscite parfois des peurs, des appréhensions. Ce n'est pas tout le monde qui ose, et qui ose dire les choses exactement comme elles doivent être dites. On s'est biaisé quand on fait de la politique, mais des gens comme nous, on ne se considère pas homme politique, enfin plutôt politicien, parce qu'il y a une différence. Nous sommes peut-être hommes politiques parce que nous parlons de politique, mais nous ne sommes pas des politiciens. C'est parce qu'en fait, nous parlons de politique d'abord comme intellectuels, des gens qui réfléchissent au-delà de la surface des choses. Et ce n'est pas donné à tout le monde, cela. L'œuvre intellectuelle. Nous avons un devoir d'intellectualisme, c'est-à-dire cette technicité de la pensée que nous avons besoin de clarifier. Parce que tout le monde ne comprend pas la politique de la même manière. Madame Adibé vous a dit tout à l'heure que nous avions vécu une aventure intéressante avec André Bobam. Très peu de gens savent que Bobam, n'est-ce pas, nous avait renvoyé à la Cour constitutionnelle comme étant la méthodologie par laquelle on allait résoudre la crise politique gabonaise. Il avait rejeté les méthodes bénépices qui disaient que, monsieur Bobam, nous avons peut-être pensé au Gabon plus que vous, parce que vous savez, quand vous passez tant d'années
sous les jupettes de papa, comme j'aime le dire. C'est souvent très difficile de se détacher de ce moule, de ce conditionnement. Mais le Gabon ne changera pas par un Boranzo. Le Gabon ne changera pas par des négociations. Le Gabon changera parce que vous, le leader, vous aurez pris le bâton de pèlerin et vous auriez dit au peuple, ce pouvoir qu'on veut nous voler ne s'obtiendra pas par les urnes. Il faudra passer par ce qu'on a appelé à l'époque la force démocratique de la rue. Évidemment, quand on dit la rue, les gens se disent « Oh, de la violence !» Mais non, il n'y a pas de violence quand un peuple veut se libérer. La violence, elle fait partie de ce qu'on va appeler l'élan de patriotisme, qui est, j'ai envie de dire, à la base de la construction des sociétés humaines. On ne peut pas y échapper, le Gabon n'est pas une exception. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu vous parler du BDP, ce fameux mouvement patriote qui a été créé en 1998, mais qui s'est évertué à faire ce qu'on a appelé éveiller les consciences. Et nous l'avons fait au moment où tout le monde vivait encore cette forme de naïveté, où on croyait qu'il y avait suffisamment de bonne volonté chez les Bongos pour qu'ils comprennent l'intérêt national. Mais voyez-vous, nous on n'y a jamais cru à la bonne volonté des Bongos. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, au moment où nous avons au Gabon la situation d'un coup d'État, hein, qu'on vous dit coup d'État de la libération, nous avons quelques doutes. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que les Bongos ne sont pas au pouvoir. On nous présente le coup d'État comme un coup d'État de la libération. Mais nous, on a l'impression qu'en réalité, les Bongos ne sont encore allés nulle part. Ils sont encore là, dans l'ombre, libres. Ali Bongo fait même de la politique, reçoit des gens. Il y a un problème à ce niveau-là. Coup d'État de la libération, je veux bien. Mais nous avons quelques doutes et nous voulons aujourd'hui commencer avec vous un dialogue beaucoup plus fondamental que ce qu'on vous propose au Gabon. Parce qu'au Gabon, on a tendance à vous mentir. C'est la réalité. La politique, à la manière bongoïste, est faite de mensonges, de propagande. Mais on ne dirige pas un pays avec de la propagande. La propagande, c'est pour les esprits faibles, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vous convaincre autrement. La vérité leur fait peur. Et nous avons toujours été un mouvement de vérité. Et voilà pourquoi nous sommes venus vous parler de ce nouveau mouvement qui va désormais remplacer le BDP, le mouvement qu'on va donc appeler le Congrès des citoyens libres. En abrégé, Congrès citoyen. Congrès, pourquoi ? Parce que d'abord, nous avons besoin de rassemblement. Les Gabonais ne se parlent pas assez, ne communiquent pas assez. Et quand je dis communiquer, c'est dans la sincérité. Nous ne sommes pas encore assez sincères envers nous-mêmes et envers nos compatriotes. Nous avons besoin de nous rassembler, mais dans cet esprit qu'on va appeler esprit de citoyen. Le citoyen, c'est avant tout des droits, mais aussi des devoirs. On ne peut pas y échapper. Mais le devoir qui nous incombe le plus en tant que citoyens, c'est la défense de la République. On construit une République pour tous et on la défend. J'ai aimé le docteur Mouquetou tout à l'heure qui vous parlait de la France. La France a dû couper les têtes. Les têtes de leur roi pour arriver à ce que nous sommes ici aujourd'hui en train de parler librement dans le pays des Blancs. Mais on a besoin que chez nous, nous soyons également capables de parler aussi librement. Nous vivons l'expérience des autres aujourd'hui, leur liberté. Mais chez nous, nous devons créer la nôtre. Chaque pays doit être capable de créer la sienne. Nous parlons de liberté, mais liberté, être libre, c'est aussi refuser la dictature. Un citoyen se doit de la refuser, sous toutes ses formes. Il n'y a pas de virgule à mettre à cet impératif. Parce que je vois encore aujourd'hui au Gabon, on nous dit, voilà, vous avez un nouveau président, il vous distribue des boîtes de sardines. Vous êtes content. Mais les fondamentaux, c'est quoi? C'est l'état de droit. La question institutionnelle qui reste entière. Et c'est celle-là qui a toujours intéressé le BDP. Parce que nous, on s'est dit, vous pouvez avoir le président le plus éveillé au monde. Mais si vous n'avez pas le droit de remettre en question ce qu'il fait, vous n'avez pas d'identité politique. Vous n'avez pas d'identité citoyenne, vous n'êtes pas des citoyens, vous êtes des sujets. Vérité. Nous devons sortir de l'état de sujet. Yes.
Et voilà pourquoi nous avons dit aussi dans notre nouveau mouvement que bon, nous voulons adopter ce qu'on appelle le slogan, enfin on va dire plutôt la devise, hein, on va dire patrie, dignité, progrès. Pourquoi? Parce que être une patrie, c'est d'abord être des patriotes, n'est-ce pas? Nous voulons être finalement des patriotes, être fiers de notre pays. Mais on ne peut pas l'être si on n'a pas cet esprit de patriotisme. Les Gabonais sont encore un peu attirés par des subterfuges, de l'artifice. Mais à un moment, nous devons aller vers les fondamentaux qui construisent la République. Nous devons associer au mot « patriote » le mot « citoyen ». Parce que ces deux choses-là vont ensemble. On n'est pas un bon patriote si on n'est pas un bon citoyen, et on n'est pas un bon citoyen si on n'est pas un bon patriote. Mais nous avons aussi la question de la dignité même. La dignité. Un citoyen jouissant de tous ses droits est forcément digne. Mais la dignité a un prix. Il faut être capable de défendre cette dignité à chaque fois qu'un gouvernement, quel qu'il soit, lui portera la tête. C'est cela aussi, la notion même de cette citoyenneté qui se cherche encore chez nous, mais à laquelle nous devons tendre, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Les pays que nous admirons aujourd'hui, nous qui sommes ici en France aujourd'hui, nous y sommes parce que quelque part, il y a un idéal qu'on ne retrouve pas chez nous. Et parce que cet idéal n'existe pas chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Ben, nous abandonnons notre pays, nous fuyons. Nous allons chercher ailleurs ce qui n'est pas possible dans notre pays. Et cela, c'est une malédiction. Parce qu'en réalité, quand on s'en va, nous privons notre pays de la matière grise. Des gens qui auraient pu inspirer un autre Gabon. Et c'est un gros manque à gagner, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est un gros manque à gagner quand vous parlez de cette matière grise. Et par matière grise, je ne veux pas dire uniquement les intellectuels. La personne qui travaille comme éboueur a une expérience. Qui peut profiter à notre pays? Regardez comment on se débat avec les ordures. Mais quelqu'un qui a fait les boire ici peut informer les autres. Arriver à, j'ai envie de dire, faire profiter de son expérience pour mieux faire, parce qu'il a vu, même au niveau le plus bas, comment les autres font. C'est important. Et quand on voyage, nous sommes une richesse. Parce que le voyage instruit. Le simple fait d'aller voir ailleurs. Je m'étonne parfois quand on a nos présidents, ils s'en vont, ils voient les autres pays, et puis ils repartent dans ce que Trump avait appelé... Qu'est-ce qu'il avait appelé, monsieur, on va... Voilà, cette trou de merde, en fait, on va dire. Bah, c'est ce que Trump avait dit, ces pays-là, qui sont des trous de merde. Mais c'est grave! Quand on vous insulte comme ça, quelle humiliation! Nous qui sommes aux États-Unis, on est humiliés quand on entend ça. Et pourtant, nous savons que nous pouvons mieux faire. Mais, mes chers compatriotes, avec la dignité vient aussi la notion de progrès. Le progrès, maintenant, est, on va presque dire, l'aboutissement. L'aboutissement. Parce que, voyez-vous, moi, je ne vais pas toujours, quand je laisse la France 10 ans, je reviens. Je vois beaucoup de choses qui ont changé. Quand je vais au Gabon, on dirait que ça fait du surplace. C'est la même chose. Ça recule même. C'est grave. Chaque 5 ans, même aux États-Unis, je repasse par le même endroit 5 ans plus tard, ça a changé. En bien, au Gabon, ce n'est pas cela. On fait du surplace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons besoin d'insuffler dans la dynamique politique de notre pays ce qu'on va appeler, de manière basique, hein, la notion de liberté. Pour moi, c'est fondamental. La liberté de penser librement. C'est important pour l'aboutissement de ce progrès qui reste souvent, on va presque dire, intangible. Mais la pensée libre, elle a son importance. C'est ça. Elle a son importance. La liberté d'entreprendre librement, ça a son importance. On ne peut pas entreprendre librement dans un pays où on a toujours besoin d'aller gratter la tête devant quelqu'un, de connaître quelqu'un. Pour pouvoir arriver à obtenir quelque chose, même des choses qui sont simples à obtenir, un simple acte de naissance, on vous dira aller d'abord voir le maire et puis glisser quelque chose sous la table pour avoir un acte de naissance. Quelqu'un qui veut créer un business, vous devez faciliter la création du business. Parce que cette personne qui crée le business, elle veut se prendre en charge. C'est quelqu'un qui veut s'enlever du poids de l'État pour se prendre en charge. Et parfois, quand ça réussit, vous obtenez quelqu'un qui donne de l'emploi à d'autres. C'est l'esprit même du capitalisme, l'idée qu'une personne
Quand vous pensez à Bill Gates, on se plaint. Mais vous savez combien d'emplois dans le monde Bill Gates a créé en inventant le système d'exploitation Windows? Quel est le pays qui n'utilise pas Windows aujourd'hui? Il y a des compagnies comme HP, Dell, qui ont créé les ordinateurs, mais pour intégrer quelque chose qui a été fabriqué par quelqu'un d'autre. Et en créant Dell, HP, on a créé des entreprises, des milliers d'emplois. C'est important de comprendre cela. La liberté d'entreprendre, elle est centrale. La liberté de circuler librement, elle aussi, elle a son importance. Vous ne circulez pas, vous ne pouvez pas connaître du monde. Vous ne pouvez pas facilement amener à cette exploitation de votre inspiration qui peut venir du simple fait que vous avez pu aller dans votre village, cultiver de la banane, sans entrave. Vous avez pu aller au Cameroun, regarder ce que les autres font, sans entrave. Circuler, c'est s'instruire. Voyager, c'est s'instruire. Mais quand on fait du passeport un honneur ou un privilège, alors que c'est un droit, on vous prive déjà des fondamentaux. Et nous voulons terminer, nous voulons en terminer avec ce Gabon-là. Mais, mes chers compatriotes, on ne peut pas avoir de dignité, de patrie ou de progrès si on n'a pas d'institution forte. Bravo. Voilà la réalité. Voilà pourquoi notre slogan ici dit « Des institutions fortes pour un pays fort ». Ça veut dire aussi que quand nous avons devant nous quelqu'un qui dit « Je veux diriger le Gabon », si cette personne ne met pas en avant la question des institutions, nous, au BDP, on se retire de cette équation et en fait, nous encourageons le peuple à se retirer de cette équation. Ce qui a tué le Gabon pendant 56 ans, c'est le manque d'institutions. Les bongos ont tué ce pays-là. Et tant qu'on n'aura pas compris que c'est ça la base, et tant qu'on n'aura pas compris que ces boîtes de sardines qu'on vous distribue, vous pensez qu'on vous aide. Mais posez-vous la question. Est-ce que c'est seulement les boîtes de sardines qu'on vous donne, ou on vous donne les miettes que votre pays produit, de ce que votre pays produit, les miettes, on vous contente avec ça. Alors que demain, dans un pays de droit, c'est vous-même qui allez créer votre propre richesse. Vous n'aurez pas besoin que quelqu'un vienne vous servir les boîtes de sardines, parce que vous serez capable vous-même de les obtenir. Notre bataille à tous, chers compatriotes, elle est là. En tant que Gabonais, nous devons nous battre pour des institutions fortes, pour que demain, le Gabon soit un pays fort. Voilà la réalité de notre combat. Je suis également venu vous parler de rassemblement parce que, voyez-vous, quand on dit congrès, ce mot qui préfixe un peu le nom de notre nouveau mouvement, va avec l'idée de rassemblement. Mais il ne s'agit pas ici de rassemblement dans le sens de l'esprit fourre-tout habituel. Parce que souvent, on pense que le fourre-tout résout les problèmes alors que ça devient un blocage. Nous pensons qu'en réalité, la vraie question va consister à se poser la question suivante. Rassemblement, pour quoi faire? Voyez-vous, il faut toujours avancer mathématiquement, méthodiquement, en se posant des questions. Rassemblement, pour quoi faire? Mais avant que de vous répondre, laissez-moi vous dire ceci. Juste pour établir ce qu'on va appeler l'état des lieux. Un ancien compagnon de lutte, intéressant, ce matin, sur Facebook, hein, j'ai vu ça ce matin, et ça m'a forcé à modifier mon discours d'aujourd'hui. Il a écrit quelque chose où il a dit, je cite, « Avec un peu de recul, on avait plus besoin d'une révolution que d'une transition. » J'ai aimé ça. J'ai changé mon discours tout de suite. J'étais venu vous parler d'autre chose, mais j'ai changé. Elle m'a séduit parce que d'abord, le mot « recul » m'inspire beaucoup. Il m'inspire pourquoi? Parce que, en toute chose et devant tout phénomène, l'humain a tendance à n'avoir que deux types de réactions. La réaction émotionnelle, ou alors la réaction rationnelle. Ces deux choses sont souvent aux antipodes l'une de l'autre. C'est soit que c'est émotionnel, soit que c'est rationnel. Vous ne pouvez pas échapper à cette dualité. Et les deux sentiments peuvent aussi être des sentiments d'euphorie. L'euphorie qui s'oppose à la maîtrise de soi. La maîtrise de ses sens. L'euphorie, malheureusement, a ce côté néfaste que quand elle agit en nous, elle agit comme de la drogue. Comme de la drogue.
Elle endort nos capacités analytiques. Elle endort nos capacités mentales. Un peu comme quand vous fumez de la ganja, hein, de la marijuana, là. Voilà. Qu'est-ce que ça fait, Bob? Dès que vous l'avez prise, ben, vous voyez, vous avez envie de dormir. Et donc, vous devenez mentalement et physiquement paresseux. Et pendant que vous êtes dans cet état, le monde avance sans vous. Et les autres, pendant ce temps, font ce qu'ils ont à faire. Et vous, vous dormez. Au Gabon, malheureusement, nous avons tendance à dormir beaucoup. Malheureusement. Nous dormons beaucoup. Nous avons aussi souvent tendance à aller dans ce sentiment d'euphorie à chaque fois qu'apparaît un nouveau phénomène. Nous ne prenons jamais le temps du recul. Et dans les moments les plus cruciaux de notre histoire, nous avons eu tendance à être émotionnels, à être euphoriques. Et donc, nous avons souvent eu tendance à nous endormir. Et pendant que nous dormons, les autres faisaient de notre pays ce qu'ils voulaient. Moi, ça me gêne, mes chers compatriotes. Et c'est comme ça que pendant 56 ans, nous nous sommes endormis. Nous avons laissé, pendant 56 ans, les bongo PDG faire du Gabon ce qu'ils voulaient. Nous sommes tombés dans un sentiment de complaisance parfois, l'esprit de facilité, par lequel on croit qu'en politique, les solutions tombent du ciel. Que vous, en tant que citoyen, vous êtes dédouané d'une forme de responsabilité citoyenne. Et alors, dans ce moment-là, on attend que les choses se fassent d'elles-mêmes. Ou que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Et vous allez voir que si vous fouillez l'histoire de notre pays, c'est un peu là notre plus grande faiblesse. On est souvent attentiste parce qu'on attend que ça soit fait par quelqu'un d'autre. Nous renonçons à nos responsabilités. Maintenant, si nous partons tous du point de vue que voilà, à chaque phénomène, nous abandonnions on va dire notre libre arbitre, notre capacité à nous engager, et que on tombe dans ce type de sentiment d'impuissance par lequel on lève simplement les mains dans le ciel, et puis on tombe dans ces travers politiques qui sont en fait psychologiques, mentaux, qui font que on se met à se convaincre qu'on a raison d'être comme on est, et on se prélasse dans des formules un peu qui, moi, m'énervent. Hein, et je vais partager quelques formules avec vous. La première formule qui m'énerve, et je crois que beaucoup d'entre vous ne l'aiment pas non plus, c'est cette fameuse histoire qui dit « La politique de la chaise vide ne paie pas. » Moi, je m'étonne souvent de l'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? La politique de la chaise vide ne paie pas. Payer en quoi ? Selon moi, quand je regarde ça, cette équation. Ce qui ressort de cette phrase, pour moi, est simple. Hein? Devant un système chroniquement criminalisé, comme celui des bongos, que vous vous asseyez ou pas, c'est toujours du pareil. Que vous alliez vous asseoir sur cette chaise vide-là, rien ne change. Et en fait, rien ne changea pendant 56 ans, rien n'a changé pendant les 56 ans, et rien n'aurait jamais changé au Gabon. Rien. Tant que les bongos étaient au pouvoir. La chaise vide, là, elle n'apportait rien du tout pour le Gabon. Alors, et parce que pour nous, hein, les mêmes causes mènent toujours aux mêmes effets, nous, au BDP, nous avions fait le choix depuis 90, au moment de la création de notre mouvement, de ne jamais aller nous asseoir sur cette chaise vide du PDG. C'est le choix que nous avions fait. Parce que ces chaises nous semblaient un peu comme des pièges à rats. Souvenez-vous, on voit souvent ces vidéos sur YouTube, hein, où des gens mettent un tapis avec de la colle, n'est-ce pas? Et les rats viennent, ils passent par-dessus, ils sont coincés. Les rats arrivent, ils tombent par-dessus, ils sont coincés. Et c'est comme ça qu'on attrape des rats. Cette chaise vide, elle représente un peu cela. Et ces rats-là meurent généralement sur ce tapis-là parce qu'ils ne peuvent pas s'extirper de ces tapis collants. Eh bien, dans le cas des bongos, hein, du système bongo PDG, vous êtes un peu ce rat-là. Vous êtes celui dont on a capturé l'esprit. Vous êtes le rat qu'on a tué. On a tué votre esprit. Et quand on tue votre esprit, malheureusement, vous devenez un animal.
Et voilà pourquoi nous, on a dit, on ne veut pas devenir des rats du PDG. On a renoncé. Alors, une autre phrase qu'on nous a souvent faite est celle-ci. Mais il faut quand même entrer parce qu'on peut changer les choses de l'intérieur. Je veux bien, sauf que pour pouvoir l'affirmer, il faut être mathématique maintenant. Il faut pouvoir nous dire, nous démontrer mathématiquement qu'il y a eu dans l'histoire politique de notre pays, le Gabon, des gens qui sont rentrés dans le système et ont pu changer les choses de l'intérieur. Moi, je recherche, je n'en vois pas. Je recherche. Mais le fait est que si vous regardez encore un peu plus loin, vous verrez que le système Bongo était bon pour avaler les intelligences. Très bon. Mais une fois à l'intérieur, on devenait un mangeur de la mangeoire. Tout simplement. Ceux qui sont rentrés sont devenus une classe de mangeurs. Une fois que les Bongo avaient mangé, je m'excuse de le dire, leur cerveau, leur esprit, leur âme. Parce que ce qui arrive, c'est ce qui arrive quand vous rentrez dans ce système-là. Ils mangent votre esprit. Ils mangent votre cerveau. Ils mangent votre âme. Sauf que, si vous laissez manger votre cerveau par des ignares, vous devenez aussi vous-même des ignares. Nous, au BDP, on aime trop notre cerveau pour le laisser manger. Alors, il y a une autre phrase, et celle-là, c'est la dernière que j'ai voulu évoquer avec vous ce soir. C'est cette phrase aussi qui est énervante. On va encore faire comment ? Je puis vous assurer, mes chers compagnons, que cette phrase est de nature à me donner à moi une crise cardiaque. C'est celle-là qui me garde éveillé toute chaque nuit, mes chers compagnons. Sauf qu'un citoyen digne de ce nom ne dit jamais « on va encore faire comment ?» Quand on est un citoyen confronté à des défis, on ne dit pas « on va encore faire comment ?» On doit s'arrêter un moment pour simplement se poser la question « qu'est-ce que je peux faire ?» Voyez-vous, on va encore faire commencer, jeter les bras dans l'air, mais se poser la question « qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour résoudre cette équation ?» Voilà la question citoyenne qu'il faut se poser. Mais cette question, elle est importante aussi à d'autres niveaux, parce qu'elle mène à ce que j'appelle une réflexion agissante. Il y a une différence entre une réflexion passive et une réflexion agissante. Vous réfléchissez parce que vous voulez agir, trouver des solutions. Voilà ce qu'on appelle une réflexion. En se posant cette question, on cesse en fait de se voir automatiquement comme une victime. Voyez-vous, quand on devient agissant, on n'est plus une victime. Et on décide à ce moment-là de prendre son destin en main. C'est ça. C'est cela que ça veut dire. C'est ça l'esprit du recul dont je parle. Le recul. Le recul, le recul. Ne pas céder à l'euphorie, mais surtout prendre ce recul-là pour transformer en pensée rationnelle les sentiments qui nous animent. Et c'est cet esprit de recul qui a fait que, après que la conférence nationale de 90 s'est passée, puisque bon, c'était un moment extrêmement euphorique, nous avions cru à l'époque qu'Omar Bongo était un patriote. Et nous avions cru qu'il était tellement affaibli qu'il allait aller de soi qu'il perde le pouvoir à la prochaine élection. Mais seulement on a remarqué que nous avons raté le coche de l'histoire en 97. Nous, au BDP, dès 98, après deux élections présidentielles perdues, on a tout de suite conclu que le Gabon ne changerait plus jamais, je dis bien jamais, ni par la bonne volonté des Bongo, ni par le miracle de Jésus-Christ, nous l'avons souvent dit. Même la Vierge Marie ne viendra pas sur terre. Aller au chevet des Bongo pour dire « Oh, vous avez fait assez de mal, laissez le Gabon. » Non, ce n'était pas possible. Même Jésus allait s'enfuir à ce moment-là. Ni par l'action des Martiens, personne n'allait venir d'ailleurs libérer notre pays à notre place. Et surtout, ni par les urnes.
Nous avions conclu à l'époque que si le Gabon devait changer, ce changement ne viendrait que par trois possibilités. Et il faut être logique à ce niveau-là. Trois possibilités, qui ne sont malheureusement que des possibilités violentes. Violentes. La première, c'était le coup d'État, obligatoire dans ce contexte-là. La deuxième possibilité était la rébellion militaire, obligatoire aussi dans ces moments-là où on ne peut rien changer par les urnes, c'est normal. Mais il restait encore une seule. À ce moment-là, c'était ce que nous, on avait appelé à l'époque la force démocratique de la rue. Le Gabon, mathématiquement, au vu de l'observation, ne pouvait changer que par ces trois possibilités. Il n'y en avait pas d'autres. Les urnes étaient exclues. Il se trouve que l'une des trois possibilités s'est produite au Gabon. Nous avons au Gabon aujourd'hui eu un coup d'État. Seulement, nous avons souvent, nous, donné la préférence à l'insurrection populaire, à l'idée de la force démocratique de la rue. Par le peuple, je dis bien par le peuple. Pourquoi, voyez-vous, quand un système change par l'action directe des militaires, et à la seule initiative, je dis bien à la seule initiative des militaires, il est totalement possible d'aboutir à un régime militaire. Totalement possible. Vous n'avez aucune autre garantie. Il est totalement possible d'aboutir à un régime militaire qui soit tout l'opposé de ce que nous avions toujours souhaité en tant que peuple. Tout l'opposé. Certes, les militaires, quand ils prennent le pouvoir, ils vont vous dire quoi? Bon, dans des élans de propagande, ils vous diront « Oh, le coup d'État, c'est un coup d'État de libération. » Ils le disent tous. Tous. C'est pas nouveau. Seulement, on a envie de dire ceci. Quand un peuple est debout et que c'est le peuple qui pousse les militaires au coup d'État, cette victoire appartient au peuple. Quand ce sont les militaires qui prennent l'initiative et prennent le pouvoir, j'ai envie de dire cette victoire appartient aux militaires. Et il y a à partir de là un fossé qui se creuse naturellement. Comment va-t-on faire pour partir d'un régime foncièrement militaire, décidé par les militaires, à un régime civil? Ça, c'est une réflexion fondamentale. Il faut pouvoir étudier la question. Il faut pouvoir l'étudier. Parce que sans cela, on est dans l'euphorie. Et l'euphorie est dangereuse. C'est une drogue. Alors, la propagande vous dira, bon, écoutez, c'est un truc de libération, voilà. Mais moi, je dis au BDP, et surtout maintenant qu'on est congrès citoyen, nous, on dit que toute libération obtenue par sous couvert n'est jamais celle du peuple. Comprenez-moi bien. Une libération obtenue par sous couvert n'est jamais celle du peuple.